Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Demo is Back. On se retrouve pour la suite de Quantum Break et on devait retrouver Will, il me semble. C'est parti. On va chercher Will. Donc là, on a débloqué les pouvoirs. Hein. Là. Merde, je me souviens plus déjà comment on fait. Ah, je crois que c'est que pendant l'action. Ah non, c'est bon. C'est RB. Pour lancer le pouvoir. Et ce qu'il y a, c'est que ça dure pas longtemps quoi. Et en plus, il y a la barre à droite là qui se recharge. Donc il y a ça aussi pour détecter les objets, les ennemis, son environnement. Ok. Donc on part à la recherche de Will, c'est parti. Non, pas ça, putain. Vous êtes Jack Joyce? Non, je suis le Père Noël. Où est mon frère? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. Pourquoi vous m'aidez? Vous êtes avec eux. C'est une traître. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps, mais faites vite. C'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. C'est un agent infiltré. Partie 3. Acte 1, partie 3, donc. Will? Allez. Will? Y a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Donc désolé, j'avais coupé le micro parce qu'il y a un avion qui était en train de passer. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce censé capturer William Joyce vivant s'il ne résiste pas? S'il vous plaît, lâchez-moi. Je peux rien faire. Gueule. La ferme, ok? Le patron a dit de l'emmener dans la bibliothèque. Il veut s'occuper de lui personnellement. Ok. La lourde, tranquille. Oh! Une esquive temporelle. Mais non! Ah, ça commence à m'intéresser là. Ça commence à... C'est quoi ça? Oh! Ok, vous voulez jouer au camp? Toi, t'arrêtes de balancer des grues là? Pris dans Battlefield ou quoi, enfoiré? Ah, c'est cool, en plus il y a tout le décor qui se saccage là. Terrible. J'adore. J'adore, j'adore. Oh. Toi dans ta gueule. Oh, je suis des touches chargeurs dans la tranche. Non! Ah ouais, carrément! Ah, c'est terrible. C'est terrible. À la bibliothèque. C'est là qu'il l'emmène. Là, on va commencer à kiffer là. Non, pas ça, putain. Chaque fois j'oublie. Chaque fois j'appuie Y pour changer. Pour changer d'arme alors que c'est comme ça. Ah, c'est vraiment terrible. T'arrêtes pas, Jack. La bibliothèque, ouais, du coup. Du coup, j'ai zappé le. Alors, en plus, le fait qu'on peut tout péter là. Enfin, tout. C'est peut-être plus simple avec des greux. Ok. Ah, c'était par cette porte, putain. Bon, alors je vais voir, je vais jeter un œil en bas quand même pour voir. Pour voir qu'est-ce qui se trame, mais. Je suis pas sûr qu'on puisse bien. Qu'on puisse se balader où on veut quoi. Ah, c'était juste un hall quoi. Et rien de spécial.
pourquoi t'ouvres pas la lourde? Quoi? Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. C'était pas la seule. Qu'est-ce que quoi, là? Rien. Notre putain de campus est... Mais après, inutile pour activer... Ah, pour activer la concentration temporelle. Ok. Eh hey, merde, sérieux. Oh, attends. Attends, y'a du monde là, mon gars. Là, y'a du monde. Essaye de rester à couvert, hein. Ah, c'est quand tu leur fonces dessus, là, que... Ah, mais ce truc là, ça me fait. J'adore. Ça où ces enfoirés? Ouais, comment? Débarrassez-vous des ennemis dans la cafétéria. Ah, s'il n'y a pas d'escalier, je pense. Si, il y a un escalier. Et je voulais voir, je voulais tester. Ah merde, on peut pas se téléporter là? Je pensais qu'on pouvait descendre comme ça. Apparemment non. Oh chier, stop. Tac, 1, 2. Ah merde! Oh, j'adore ce truc. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant, je vais où? Sortez. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Y'a rien à fouiller là? Y'a des trucs bleus, mais ça, je crois que c'est leurs armes en fait. Ah, pistolet lourd. Y'a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Ah ouais. Ça va peut-être les faire voler, ça. Pourquoi est-ce que vous allez ici? C'est une bibliothèque. Des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. Dans vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Alors attendez, on va pas se jeter comme ça là. On vérifie d'abord s'il n'y a pas d'ennemis parce que ça sent le piège là quand même. Hein. Ça reste assez... Pour l'instant ça reste assez linéaire. Hein. La trajectoire là c'est... Ils font genre tu peux te balader à droite à gauche quoi, mais bon, il y a rien de spécial à voir quoi. C'est... Vous savez ça? Ah, je me suis peut-être trompé. À mon avis, ils vont nous faire passer par là. Vu qu'ils me disent d'escalader. On va aller voir l'entrée là. Ah, ça va être fermé, ils vont me dire d'escalader là-bas. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Voilà. En fait, j'ai découvert le passage avant qu'ils me le proposent. Je dois entrer dans cette bibliothèque. Je dois d'abord vérifier s'il n'y a pas des ennemis. C'est quoi ce truc? Eh ben, je dirais que je suis pas le seul à leur en vouloir. Ouais, je fais comment pour faire descendre ce truc là? Je suppose que c'est par là, parce que bon, le chemin il a l'air tout indiqué quand même. Allez, j'ai pas que ça à faire. Je dois trouver un moyen de le ralentir. Ah ouais.
Ah, ok. Ok, ok. Je sais pas si je le tire dessus avant ou une fois que je suis sur la plaque. Bon voilà, ça c'est fait. Bon alors s'il commence à foutre des casse-têtes comme ça là, bon celui-là il était simple mais bon. J'espère qu'ils vont pas compliquer par la suite. Eh merde! C'était pas. C'est quoi ça? Une belle chute! Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc, donc, donc. Je crois qu'en fait là. William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Il est enfermé. Je me demande où est son frère. Gardez quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 Monarque. Le reste des forces. Faut alors que je saute. Collecte des chronons au cas sèche. Une fois là-bas, attendez les ordres. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes. La bibliothèque va sauter? Qu'est-ce à quoi? Maintenant? Et si je le mets entre les deux, est-ce que je ralentis les deux? Non, ouais un petit peu. Ok. Bon. Ah c'est trop vaste pour qu'il y ait personne. Passage par là. J'ai vu des mecs derrière, il me semble. Ah non. Oh. Des bonbons explosifs. Salut le mec. Comment ça biche? Oh. B pour créer un bouclier temporel. Non. Ok donc bouclier, esquive. Alors, on va essayer de viser ça. Ça là, ça la bouteille. Attaquez-le par le fond. Eh va chier mec. Ah, le pistolet lourd là, il y a du recul quand même. Oh putain. Oh non. Ah non, la mort de merde. La chaise de Quantum Break, ouais, ça on le sait. Mais ouais, du coup, il n'y a pas de barre d'énergie quoi. C'est que tu peux pas vraiment jauger le danger. Et tu peux pas savoir quand t'es presque mort ou pas. C'est, y a l'écran qui se machine un petit peu, mais bon, ça te dit rien du tout quoi. Bon, première mort dans Quantum Break, donc il y en aura certainement d'autres. L'affaire avec. Par contre, ça serait bien qu'il smile. Là. Dans le chargement, c'est juste trop. Ok, ils m'ont remis carrément là. Donc, il va falloir que je refasse le bouclier et tout là. Donc on va éviter de crever. La claque putain qu'il lui met. Déjà vu. Allez. Et donc je disais tout à l'heure, juste avant de crever, que le pistolet c'est un pistolet lourd, du coup il a pas mal de recul quoi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux? Ah, là par contre, il fait mal hein. Putain,
deux heures pour charger là. C'était... Ah le bouclier, ok, ça te met... je pensais que ça mettait juste devant. En fait ça met tout le tour. Mais va chier mec. Ok, ils sont où? Ces enfoirés là. Il est tout seul là? Je crois que cette bouteille elle a déjà pété en fait. Il vient pas de m'envoyer une greux. Enfoiré. Il est pas mort, sérieux. Bon, ça va, ce coup-ci, je suis pas mort. Tu vas bien? Il est où ce con? Ouais, tu vas bien. J'ai tout un tas de nouveaux super-pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par me détacher. Si je veux. On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Quoi? Non, Jack. J'ai besoin de la... Ah! Je peux attendre. Bon, c'est pas fini, là. Ah, ma mallette était dans la voiture. Je t'en rachèterai une. C'est une mallette, merde. Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la facture. Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt? Désolé, j'étais encore en train de me faire... Allez, va chier, putain. Ouais, bah je peux encore te laisser ici, hein. Eh, les mecs, ils mentent, normal. Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer. Non, 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 descends, qu'est-ce que tu branles? T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non. Alors dépêche-toi d'en trouver une. Ah. Oh. Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer vivants. Merde, j'ai pas vu l'escalier de l'autre côté. Arrête, je viens pas de le faire. Le bouclier là. Eh merde. Voilà. Tu viens m'aider? Ok. Ils sont tous morts? Oh, excusez-moi, ouais. Je reviens de suite, hein. Je crois. Excusez-moi, c'était le facteur. Il fallait que je prenne un recommandé. Bon, donc du coup, faut que je libère machin. Et comment? On doit récupérer ma mallette. Ensuite, il faudra trouver Bess Wilder.
Pourquoi? C'est qui? Elle sait des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Il y a au moins une personne à qui tu faisais confiance? C'est bon, ça y est, ça arrête de tirer là. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger? Regarde autour de toi, Will. Tu te sens protégé là? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça. Rien du tout. Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps? C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette. Bon. Fini les conneries, on se casse. Apparemment, y'a personne. Faut qu'on bouge, avant qu'il en arrive d'autres. Bon alors, tout à l'heure j'ai vu l'hélico là, mais je suis pas... On a toujours pas vu, hein. Jack! C'est qui ce mec? Mais c'est pas celui qu'on a enfermé dans le... Paul? Jack, faut y aller. Attends. Oh, il gère, Paul! Oh l'enfoiré! Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis, tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est en jeu, c'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer d'avis. Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer. Le passé, le fur. J'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans. C'était toi, la première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire, et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On doit agir. J'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non, attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Quel enculé! Fin de l'acte 1 donc. Bon, désolé pour la petite pause que j'ai faite tout à l'heure là, bon. Comme je vous l'ai dit, c'était recommandé donc fallait que je bouge. C'est des choses qui arrivent. Et du coup quoi, je dois appuyer sur une touche, je dois faire quoi? Vous avez terminé l'acte 1. Bon. Continuez. Ok les amis, bon ben je vais arrêter là et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. Sûrement pour l'acte 2. Allez, bye bye tout le monde.